Tu connais Tattletail? Parle-lui, il te répond. Je t'aime, joue avec moi. Il parle vraiment. Tattletail, c'est mieux à deux. Regarde, ils parlent ensemble. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va. Tattletail, ta peluche interactive. Hey, what's up les gens, ici Caral et aujourd'hui on se retrouve sur Tattletail. Et qu'est-ce que c'est Tattletail? Eh ben c'est ça. Ça vous dit rien? À moi non plus, et c'est pour ça que nous allons le découvrir tout de suite. Aïe! On est parti! Le 20 décembre 1998, 5 jours avant Noël. C'est très précis, nous avons une temporalité les amis. Oh! Oh! Alors, nous sommes un petit enfant. Bah oui, parce que je suis désolée, mais passé 16 ans, t'as plus ce genre de chambre avec des hippopotames et des lions. C'est ringard. Sommes-nous une petite fille ou un petit garçon? Libre à vous de choisir, voilà. Claude ou Claudette, au choix, on va plutôt partir sur un Claude parce qu'il a une tête de vainqueur, motherfucker! Votre tâche, si vous l'acceptez, ouvrir vos cadeaux de Noël en avance. Les cadeaux? Où sont les cadeaux? Je vois le sapin, mais je ne vois point mes cadeaux. Je dois avoir quoi? 5 ans, vu ma taille par rapport au meuble? Hop! Oh! Putain, qu'est-ce que je saute haut pour un gosse de 5 ans? Maman, je suis sur la gazinière, maman! Maman, je te préviens, je vais faire une connerie, maman! Où sont mes cadeaux? J'ai compris, on va se servir tout seul comme des grands. Oh, les cadeaux, ils sont à la cave. Évidemment, mais oui. Putain, mais alors c'est lugubre, c'est super grand, c'est même plus grand que la maison. Genre, c'est normal. Oh, les voilà! Les cadeaux de Noël, oui! J'espère que c'est le kit du parfait petit tueur à gages que j'ai commandé! Non, en vrai, quand j'étais petite, je voulais un punching ball, mais mes parents, ils ont jamais voulu. Ouais, ils avaient peur que je devienne comme Rocky. Je les comprends. Cliquez pour ouvrir votre cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce que c'est! Ah, c'est un... Ah, vous savez, ces machins qui parlent, là, et qui sont juste insupportables. Un enfant? Furby, c'est ça. Oui, mais j'ai pas commandé ça. Je remballe, c'est nul. Je suis déçue, Papa Noël. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je l'ouvre. Hop. On le sort de sa boîte, faut quand même voir s'il est en bon état, hein. Histoire qu'on se fasse pas arnaquer par le Papa Noël. Et on doit le prendre. Ah non, Claude, ça suffit. Maintenant t'es un gentil garçon, tu vas gentiment replacer ton Furby dans sa boîte. We love you. Qu'est-ce que tu m'as dit? Répète, jeune chose. Me, Tattletail, we love you. Oh! Ah non, je vous jure, j'ai pas commandé ça. Il a vraiment faim, il faut lui donner à manger. Sérieux? Ta gueule. Ferme ta gueule, je te remets dans ta boîte. Mais il la ferme jamais? Mais c'est quoi ce délire? Oui, ok, ça va. On va donner à manger au gentil petit bébère. On va y aller, mais arrête de faire du bruit, il y a ma cloche qui s'affole. Tu vas réveiller papa et maman, je vais prendre une punition. Le frigo, il est où le frigo? Il n'y a pas de frigo dans cette baraque? Ah si, il est là. Ça va! Ça vient! Maintenant, il faut lui brosser le pelage. Utiliser la brosse qui se trouve dans le salon. Non, mais nous sommes dans le sérieux le plus absolu! Je suis son putain d'esclave, il est en train de me faire un lavage de cerveau. Est-ce qu'on peut enfin s'en débarrasser? Est-ce que c'est là le salon? C'est la chambre de ma maman. Frappé à la chambre de ma maman. Je suis étonnée qu'elle ait pas entendu le bordel depuis un quart d'heure. Maman! Va te coucher, Claude! Mais maman! Ferme-la! Oh oui. Il va enfin se taire. Oh, ça y est. Écoutez ça. Le silence, exact. On va aller le ranger dans sa boîte et on n'entendra plus jamais parler de toi. Hop, on remballe le cadeau et on retourne au lit. Oh, astuce, ne pas répondre au téléphone. Je m'en fous, c'est peut-être mamie qui appelle. Allô, mamie? Mamie, il faut parler dans le combiné, mamie. Tu ne sais toujours pas te servir d'un téléphone. Ok. Maman. Tant pis, tu réponds pas, tant pis. Après moult aventures, Claude retourne au lit. 21 décembre 1998, 4 jours avant Noël. Que va-t-il se passer? C'est la nuit. Vous entendez un bruit étrange.
Ma, qu'est-ce que c'est? C'est mamie? On s'approche lentement et sûrement de l'origine du bruit. Il provient du sous-sol! Oh, encore? Non mais ils sont sérieux. Le sous-sol. S'il y a bien deux pièces dans une maison qu'ils adorent mettre en avant dans les jeux d'horreur, c'est bien le sous-sol et le grenier. Don't panic! Ce n'est que la machine à laver. Mais il est con ce garçon, hein? Il a jamais vu sa mère faire une lessive. Non, bah apprends la vie, jeune Claude, apprends la vie. Éteindre la machine à laver. L'éteindre, mon cul, tu seras content quand t'auras des slips propres demain matin. Bon, allez, 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 on l'éteint. On l'éteint, on l'éteint. Ah! Bébert? Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête de chanter! Mais arrête ça, s'il te plaît! Voilà, prends de l'énergie, mon petit Bébert. Trouver un vase dans le sous-sol afin de jouer avec. Non, 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 non. Alors, je vais te poser tranquillement sur ce tapis roulant, d'accord? Et tu vas me faire trois pompes. Le machin, il te fait un screamer sur la machine à laver, c'est normal. Il est possédé. Un vase. Où est-ce que tu veux que je trouve un vase, mec? Mais t'as cru ma maison, c'était un musée. Tiens, il y a un vase ici. Comment tu l'as jaugé, ma sœur? Quoi, il te plaît pas? Genre, il te plaît pas, genre. Il le veut pas, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Il veut pas jouer avec le vase qui a coûté 10€ à Conforama. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu joues avec le vase de la génération Ming, d'une valeur de 15 000€. Voilà! Bah bravo! Oh, qu'est-ce que c'est? Là, il y a plus de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de trembler. Ah, t'as peur du noir? Attends, une lampe torche. On la secoue bien fort. Tout va bien. Ça sert à rien de paniquer sa maman. Don't panic. Retourne dans ta boîte définitivement. C'est fini entre nous. Terminé, Bébert. Au revoir, Bébert. Quelqu'un frappe à la porte. Oh! Quelqu'un s'énerve contre ma porte. Maman. Elle est pas là. C'est une mère indigne. Non. Je réponds pas. Je n'ouvre pas aux inconnus. Non. Oui, ma chambre, elle est juste à côté de la porte d'entrée. Je suis en totale sécurité. Bonne nuit. 22 décembre 1998, 3 jours avant Noël. Les choses vont se corser un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Maman, non, tu t'en fous toujours, très bien. Si ça se trouve, j'ai pas de maman. Ouais. Mais bien sûr, mais tout à fait, mais on est d'accord, oui, évidemment. Ça vient de la cave. Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Bébert, c'est toi? Non, s'il te plaît, Bébert, fais pas le con, Bébert. Mais c'est vachement plus proche que tout à l'heure. Je ramasse un œuf. Je me rassure comme je peux, je ramasse un fucking œuf. Voilà, je me sens mieux, j'ai ramassé un œuf. Oh, des œufs. Ça me paraît être un petit peu étrange de mettre des œufs à cet endroit. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros Furby, un enregistrement cassette. Une personne m'a attiré ici sciemment avec des œufs. C'est petit ça, c'est petit. Ah, il dissimule de la sauce ketchup. Mais d'où tu viens en vrai, toi? J'ai une action sur la cassette. Je n'aurais pas dû actionner la cassette. Turn the page. Then Mama found the children, every last one, and put them right back to bed. Non. Il est remonté tout seul de sa propre volonté. Il est là! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais regarde le bordel! Apporter le Tattletale à maman. Bah ok, mais si tu veux, mais je veux dire, ma mère, elle est pas réceptive là, en ce moment. Je sais pas trop ce qu'elle fait enfermée dans sa chambre, mais ça doit être follement amusant. Maman! Eh ben navré, Bébert, elle répond pas. Elle doit être occupée avec papa. Oui. Ah non, mais attends, maman. Maman, c'est le gros de tout à l'heure. C'est son... Oui, d'accord. Non, mais chambre. Oui, non, j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire par ramener le Tattletale tout maman, là. Bah, c'est le gros avec sa cassette. Il est plus là.
Il est plus là. Il est plus là. Mais j'ai pu récupérer du ketchup. C'est très bien. Oui. Oh, regardez-le, là, le petit couillon dans sa boîte. On l'ouvre beaucoup, beaucoup moins. Allez, à demain, gros nigo. Nettoyer le bordel de Tattletail. Oh, ah, putain, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Je croyais que c'était des yeux. Mais c'est pas des yeux, en fait. C'est quoi ça? Ça, par contre, c'est des yeux. Ça, par contre, c'est des yeux. Ça, c'est des... Ah, c'est des yeux, ça, je suis sûr. Je suis sûr, ça, c'est des yeux. C'est bon. Ils sont partis. Qu'est-ce que c'était? Pas. C'était quoi cette horreur qui m'a attaqué? C'était maman Furby? Ouais, Non. Elle est attirée par le bruit, elle sait où je suis. On est dans le mal. Ça va être le hard bobo. Ok. Ah oui, d'accord. Je ne fais pas de bruit, elle m'attaque pas. Elle est là. Je la vois. Elle me voit. Elle fait de la musique. Elle croit que ça me rassure, mais pas du tout. Va-t'en, meuf. Sinon, je vais m'énerver, je vais te buter, alors... Elle s'en va pas? On va rester comme ça, se regarder jusqu'à 6h du matin, ou... Maman! Elle est plus là. Ok, c'est bon. Oh, elle est partie. C'est parfait. Dépêche-toi de ranger ça, mon petit Claude. Retourne au lit, Claude. Maman. Arrête de forniquer avec papa, je te promets, il y a des trucs chelous qui se passent dans la maison. Il y a Furby qui m'attaque. Oh, si ça se trouve, la saloperie, là. Elle est dans mon lit, elle m'attend. Ah non, ça va. Je suis trop angoissée, je crois. Ok, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, moi, j'enchaîne directement avec l'épisode numéro 2. Mais si je vous fais tout d'un coup, ça va être vachement trop long. Ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. En tout cas, si vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, à toutes et à tous, je vous fais de gros bisous. Bye bye.